2.0 est un programme de mise en relation entre les acteurs clés des chaînes de valeur agricoles, donc, que sont les IMF, les organisations paysannes, les distributeurs d'intrants et les marchands agricoles, afin de mieux favoriser l'inclusion financière des petits agriculteurs. Donc, dans le cadre de ce programme de mise en relation, ADA a développé une plateforme numérique appelée F2.0. Donc, cette plateforme est composée de deux parties. Le front office qui sert à enregistrer les producteurs réunis en groupe solidaire, d'identifier ces membres-là, de prendre leurs expressions de besoin, retirer les expressions de besoin. Donc, les expressions de besoin, c'est les commandes. Donc, prendre des commandes et retirer les commandes et collecter la récolte de ces producteurs en quantité de récolte. Donc, la deuxième partie, c'est le back office. Le back office, c'est l'applicatif. Donc, c'est une plateforme accessible depuis un navigateur web que les IMF, les organisations paysannes utilisent pour suivre les opérations de terrain et passer un certain nombre de commandes. F2.0 nous a permis d'obtenir une base de données que l'on peut actualiser à tout moment et que moi, en tant que directeur ou bien manager de l'organisation, je peux suivre à distance l'évolution des stocks au niveau de chaque magasin, au niveau de chaque point de collecte que la coopérative dispose, mais aussi de pouvoir faire à tout moment une évaluation de la situation de la coopérative, c'est-à-dire en termes de, s'il s'agit d'expression de besoin des producteurs, je peux le faire à travers la plateforme, à travers la base de données qui a été mise sur place. S'il s'agit de voir, contrôler l'évolution des stocks en période de collecte aussi, la base de données nous permet de le faire. Les avantages de Baobab de travailler avec F2.0, aujourd'hui, ADA nous permet de développer notre portefeuille de crédit en amont avec un crédit intrant de nature et en aval des crédits commerciaux de stock. Entre autres aussi, il nous permet de réduire les expositions de risque avec les systèmes de suivi que F2.0 nous met à notre disposition. En même temps aussi, bon, il nous permet d'avoir de nouveaux portefeuilles de clients, voilà, pour élargir notre portefeuille de clientèle. Dans le programme F2.0, le programme a une importance parce que tamit buñ doon bay programme bi mo ñuy apporter pour ñu mëna yok seen bay mi. Par exemple, buñ doon def 2 hectares mu ñeu appuyer ñi pour ñu mëna am par exemple 4 wala 5 surtout tamit ci semence bi. Par exemple, ñi ngi jot semence à temps, même engrais bi tamit ñi ngi koy jot à temps. Xam nga dañ doon dem bu août banque do ngi lebal xaliss ni dogo jëndé engrais parce que engrais man na manki man na cher, mais vraiment ren F2 mom taxna ñu accès ci financement bi mu télé ñew ci ñaarël bi ñew bu sa kër tok nga défa tout document administratif yépp ñi signé ko fofu non ba waji mëna dem nga xamné yow da ngay dem banque ba rek sa trésorier ak président signé pour xaliss mëna genn nga jënd li ngay jënd loolu ñu yombal la parce que dañ doon sonu ci joxé jiwu. F2.0 nous facilite la gestion des risques des prêts du secteur agricole. Donc, avec le suivi que F2.0 a mis en place, il y a plus de possibilités de détournement d'objectifs grâce au crédit intrant en nature. De notre côté aussi, il y a, avec notre accès sur la plateforme, on peut vérifier à distance si les groupes ont reçu oui ou non en fait leurs intrants. Et l'autre côté aussi, la garantie de rachat des récoltes par les OP qui permet un remboursement automatique des crédits en intrant. Et en dernier lieu aussi, on peut noter la co-gestion entre IMF et les OP de la gestion du stock qui nous permet aussi de sécuriser d'une certaine manière les crédits commerciaux. L'innovation que F2.0 apporte dans le financement du secteur agricole, d'abord c'est la responsabilisation des producteurs. Donc les producteurs sont réunis en groupe solidaire, donc ils travaillent en synergie, donc ce qui facilite beaucoup le travail de l'OP. La dématérialisation aussi des collectes de besoins, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'écrire sur des papiers qu'on peut perdre pour déposer ça à la banque. Tout se fait grâce à l'application que le magasinier ou les personnes de l'OP
ont et prendre les expressions de besoin et envoyer ça direct à l'IMF qui peut visualiser aussi à partir de son accès sur la plateforme. F2.0 est un programme qui a démarré en 2020 avec deux IMF, 5 coopératives et 500 bénéficiaires dans la zone de Louga et Kaolack. Aujourd'hui, F2.0 travaille avec 5 IMF, 27 coopératives et plus de 3000 bénéficiaires. Donc on est dans la zone de Louga, Kaolack, Diourbel, Kaffrine et bientôt à Saint-Louis.